Salut tout le monde, c'est Loki. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et j'ai plein de choses à vous raconter. L'autre jour, je travaillais comme ça tranquillement et je reçois une notification sur YouTube. Et là je vois, Jérôme Monceau s'est abonné à votre chaîne. Et je me dis, mais je connais ce nom, je le connais lui. C'est quelqu'un d'assez important dans le milieu de la robotique. Il a été CTO de SoftBank Robotics pendant un moment. Donc vous savez, ceux qui ont fait Nao et Pepper. Et ensuite il a créé une autre boîte qui s'appelle Spoon. Et j'avais discuté un peu avec eux à l'époque avant de rentrer à World of Warcraft. J'étais content que quelqu'un comme lui connaisse l'existence de ma chaîne et tout, ça m'a fait plaisir. Et quelques jours plus tard, je reçois un message sur Discord d'un mec que je connais pas. Et il me dit un truc du genre une nouvelle entreprise de robotique cherche de nouveaux talents, est-ce que ça vous intéresse ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est développeur, on reçoit souvent des messages comme ça sur LinkedIn et il n'y a jamais aucune information dans ces messages. Donc... Mais là, ça parlait de robotique et en plus, c'était sur Discord, donc je me suis dit, ok, on va quand même essayer d'en savoir plus. Et il m'explique que la société, c'est Simplex Robotics, qui a été créée par Jérôme Monceau. Donc ni une ni deux, je fais la connexion avec le fait qu'il soit abonné à ma chaîne juste avant et je lui dis, ok, bah, je suis curieux, je veux en savoir plus. Et donc on a commencé à discuter, ils m'ont présenté leur projet et j'ai passé différents entretiens. Et finalement, big news, plot twist, je change de job, je quitte Wondercraft et j'ai trouvé un travail grâce à YouTube. Je me doutais bien que lancer ce projet et faire des vidéos, ça augmenterait ma visibilité. C'est vraiment cool de voir que c'est concret quoi. Et donc, il est temps pour moi de prendre un nouveau départ. Je me rappellerai toujours mon premier jour chez Wondercraft. Directement l'après-midi, on m'a demandé de filer un coup de main pour faire un test sur l'exosquelette. Donc j'étais trop content et donc je vais participer à l'expérience. À l'époque, il y avait un seul prototype de l'exosquelette et il fallait, je sais pas, presque une dizaine de personnes pour le faire fonctionner. Il y avait un mec sur un PC qui compilait le programme, on avait un autre avec le gros bouton rouge dans la main qui était prêt à couper le truc en cas de problème, il y avait un pilote dans le robot, il y avait des gars qui poussaient le portique à côté, il y avait un mec derrière son trépied comme ça en train de préparer le truc pour filmer. C'était vraiment marrant et je me rappelle, genre l'expérience commence, tout le monde se met en place et tout. Et là, le gars, il fait expérience numéro 3006 2017, 14h22. Et il lance le programme et là, le robot, il fait 3 pas et il se pète la gueule. Coupe avec le bouton rouge et tout, machin. C'était en mode vraiment expérimental, quoi. Et je me suis dit, on est vraiment dans un film de science-fiction, c'est trop cool, sauf que c'est la réalité, quoi. Donc, je me suis dit que j'étais vraiment arrivé au bon endroit. Il y avait encore tellement à faire et j'aime beaucoup cet aspect du 0 to 1, de partir d'un truc qui a jamais été fait et le faire. C'est là où je m'éclate le plus. Et du coup, après 4 ans et demi à Wondercraft, la boîte a vraiment beaucoup progressé, ils ont fait des trucs de ouf. Et je suis super content d'avoir participé à ça. Et maintenant, c'est un produit commercial qui est utilisé dans des hôpitaux. C'est un dispositif médical certifié. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce que je faisais, en tout cas moi, au quotidien. Et à côté de ça, il y a ce nouveau projet qui s'est présenté. J'ai été vraiment hypé par le projet. Qu'est-ce que va faire Simplex Robotics? Je peux pas vous dire grand-chose pour l'instant, c'est encore assez confidentiel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif, c'est de faire un robot humanoïde, de partir de zéro et de faire un prototype en 1 an. Donc d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez quand je trollais sur le Tesla Bot, mais encore qu'il y a vraiment une hype en ce moment sur les robots humanoïdes, donc en fait, je vais aussi faire un robot humanoïde en 1 an. Et c'est vraiment cool parce qu'il y a un peu le côté page blanche où il y a tous les choix d'architecture à faire, etc. Ça va aller très très vite. Et en plus de ça, justement, vu qu'ils m'avaient trouvé via mes vidéos, une partie de mon job, ce sera aussi de faire du contenu vidéo, que ce soit en interne ou en externe. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir mélanger ces deux passions qui sont la robotique et la création de contenu. Et vous savez quoi? Ils recrutent encore. L'idée est super cool, le projet est ambitieux, et du coup on cherche des spécialistes dans différents domaines de la robotique. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. En plus, vous aurez le privilège de bosser avec moi. Donc tout ça, ça explique un peu pourquoi j'ai pas été très présent ces derniers temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch, etc. J'ai beaucoup de choses à gérer, et puis j'avais vraiment pas la tête à ça quoi. Quelles sont les conséquences de ce nouveau job pour le projet Droid? À Wondercraft, j'étais passé en temps partiel. Je travaillais pas le mardi, et ça me permettait d'avoir du temps pour bosser sur le robot, faire des vidéos, etc. Et ça m'a permis de me lancer, de trouver un rythme et tout. Mais là, dans le nouveau job, je vais être à temps plein, je vais devoir trouver une autre façon de m'organiser. J'aurai moins de temps, clairement, moins d'énergie parce que toute mon énergie va être focus sur le nouveau boulot. Mais j'ai pas envie d'arrêter pour autant, donc je vais continuer. Donc je vais faire au moins un live par semaine et je pense qu'on peut viser de faire à peu près une vidéo par mois sur YouTube. Ça me paraît raisonnable, on va essayer. Mais si je dois prioriser entre avancer sur le projet et faire du contenu, il y a peut-être des moments où en fait, je bosserai dans mon coin pour aller un peu plus vite. Comme je vais faire des vidéos aussi pour mon boulot, je vais pouvoir vraiment monter en niveau, en qualité de production. Et du coup, ça va se voir aussi dans mes vidéos. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, ça va être le feu. N'hésitez pas à venir me filer un coup de main, venez sur le Discord. Il y a plein de choses à faire sur le projet. Par exemple, en ce moment, je galère beaucoup avec la modélisation 3D et la mécanique.
Donc tous les coups de main sont bons à prendre. Et vous pouvez aussi me soutenir financièrement toujours sur Tipeee ou bientôt via les subs sur Twitch, je l'espère. C'est tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal de bord. Transmission terminée.